frères et sœurs chrétiennes, chaque veille de Noël ou du Nouvel An, des nuées d'obscurantistes surgissent prêts à nous déclarer des mécréants parce que nous avons souhaité un joyeux Noël ou une bonne année à nos frères et sœurs en Adam, qu'ils soient chrétiens, juifs ou athées. Nous sommes tous des enfants appartenant à la grande famille humaine d'Adam et de Ève, et nous sommes donc en fait des frères et des sœurs. En effet, Allah nous enseigne dans son noble Coran, chapitre 49, verset 13. « Ô vous les gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Les agressions verbales de ces obscurantistes et leurs accusations de mécréance sont de la même famille que celles de Daesh ou d'Al-Qaïda. Pour eux, ceux qui ne sont pas wahhabites ne sont pas musulmans, même s'ils prient, qu'ils jeûnent ou font la shahada. Pourtant, Allah nous enseigne dans le Coran que tous les prophètes sont égaux et que nous ne faisons aucune différence entre eux. Coran, chapitre 3, verset 84. Dis, nous croyons en Allah, à ceux qu'on a fait descendre sur nous, à ceux qu'on a fait descendre sur Ibrahim, sur Ismaël, sur Ishaq, sur Yaqub et sur les tribus, et à ceux qui a été rapporté à Moussa, Moïse, à Issa, Jésus, et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. قل أمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Alors une question simple à ces enseignants de la discrimination, de la haine et de l'obscurantisme. Qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été exilé à Médine et lorsqu'il a eu des contacts avec la communauté juive? Il a vu que les juifs jeûnaient en commémoration de l'exode de Moïse et de son peuple. L'exode est la traversée de la mer Rouge par Moïse et son peuple, fuyant le Pharaon vers le Sinaï, puis vers sa périphérie, comprenant la ville de Médine. Alors, le prophète lui aussi a jeûné ce jour-là, en solidarité avec la communauté juive, et chaque année qui a suivi, il jeûnait à cette occasion. Chaque année, nous les musulmans, nous célébrons Ashura en commémoration de la Pâque juive, exactement comme Jésus l'a fait lors de la célébration de son dernier souper de la Pâque, qui est la commémoration chez eux de l'exode de Moïse et son peuple. Devons-nous conclure que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi un mécréant, kafir astaghfirullah, parce qu'il a célébré la Pâque des Juifs? Mais pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Ne réalisez-vous pas que vous semez l'obscurantisme au sein de notre communauté et que vous êtes la principale cause de l'islamophobie galopante chez les peuples occidentaux? Avez-vous déjà lu le Coran? Avez-vous vérifié si le Coran enseigne la haine que vous prêchez envers les non-musulmans? Ne réalisez-vous pas que ce que vos imams de la haine et de la discorde vous apprennent est contraire aux enseignements du Coran? Si vous ne le savez pas, suivez-moi dans la lecture de certains versets du Coran que je vais vous énumérer dans ce qui va suivre et qu'Allah a consacré au genre de comportement que les musulmans doivent avoir envers nos frères et sœurs qui sont membres de la famille, de la grande famille humaine d'Adam et de Ève, et
qui inclut nos frères et sœurs chrétiens. Dans le Coran, chapitre 29, verset 46, Allah nous dit « Et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et musulmans, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ceux qu'on a fait descendre sur nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. » ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Dans le chapitre du Coran 5, nous lisons au verset 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs mushrikoun sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes nazaréens », c'est-à-dire chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Dans le Coran chapitre 3, verset 70-75, et parmi les gens du livre, il y en a que si tu lui confies un quintal, il te le rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, il ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, ces Arabes qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin pour nous contraindre. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Wa min ahl al-kitab man in ta'manahu bi qintarin yu'addih إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا من الأميين سبيلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Encore un autre verset dans le Coran, chapitre 60, verset 8 et 9. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. À quoi cela servirait-il de ne pas être bon avec nos frères et sœurs chrétiens? Quelle faute aurait eu mon beau-père italien qui m'avait reçu chez lui et m'a considéré et a respecté mon culte et ma culture, et m'avait donné une affection comme si j'étais son fils. Il y va de même pour la belle-mère, le frère ou la sœur de notre épouse, chrétienne et donc non musulmane, et qui a droit de fêter sa Noël et son jour de l'an, du voisin avec qui nous entretenons de bonnes relations de proximité, de l'employé de banque qui nous respecte et que nous rencontrons si souvent en banque, du caissier ou de la caissière du supermarché que nous rencontrons plusieurs fois par mois, des enseignants et enseignantes de nos fils et nos filles, bref, de tous ceux avec qui nous n'avons aucun problème. Qui nous obligerait alors à les haïr? Nous devons tous, selon le livre de Dieu, le Coran, être bons, et à quoi bon ne pas leur souhaiter
un joyeux Noël ou une bonne année. Et quelle justice serait de les ignorer et de refuser de leur souhaiter un joyeux Noël ou une bonne année. Et s'ils célèbrent la naissance de Jésus, ne devrions-nous pas nous aussi la vivre avec eux, vu que Jésus, Isa alayhi salam, est aussi notre prophète? Et pourquoi célébrons-nous l'exode de Moïse et jeûnons-nous comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait chaque année à cette occasion? Comment se fait-il que nous réagissons de deux manières différentes face à deux festivités de la même nature? Réfléchissons alors et soyons des personnes ayant un intellect sain comme Allah veut de nous. Dans le chapitre du Coran, dans le chapitre 41 du Coran, verset 34, nous lisons « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. » وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَ وَلَا السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Même si notre parent ou voisin, de foi chrétienne, se comporte de manière mauvaise et irresponsable envers notre foi, nous sommes obligés d'agir avec lui comme le Coran nous l'a enseigné, en repoussant ses mauvaises actions par notre action bonne et humaine. Alors, souhaitons-lui un joyeux Noël et une bonne année, et ainsi nous pourrons transformer son éventuelle adversité grâce à notre bonté envers lui. Dans le Coran chapitre 5, verset 8, nous lisons « Ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. L'équité nous est imposée par Dieu même avec nos ennemis acharnés. La haine nous est interdite envers eux. Coran chapitre 16, verset 90. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. Dans le chapitre 2 du Coran, verset 83, nous lisons: Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères et les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وقولوا لله حسنا وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Allah nous exhorte à ne pas manquer de respect, même aux idoles invoquées par les associateurs, les mouchrikoun. Coran chapitre 6, verset 108. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injureraient Allah dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action.
Ensuite, c'est vers leur Seigneur que sera leur retour et il les informera de ce qu'ils œuvraient. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. الله nous exhorte également à accueillir les associateurs, les mouchrikoun, chez nous, pour les familiariser avec nos traditions, sans les leur imposer, puis les renvoyer en paix et en sécurité chez eux. Coran, chapitre 9, verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Ce sont là une liste de versets qui nous incite à la bonté, à l'équité, à la justice envers notre prochain, qu'il soit musulman ou non. Nulle part le Coran ne nous incite à haïr les autres simplement parce qu'ils ne sont pas musulmans. Les seuls contre lesquels Allah autorise la haine et l'usage de la force sont ceux qui nous attaquent militairement. Vers tous les autres, même ceux qui nous haïssent, sans nous attaquer, Allah nous ordonne, comme vous l'avez remarqué, d'être juste et équitable avec eux. Définissons maintenant ce qu'est le kufr ou la mécréance en islam. Être kafir ou mécréant d'une doctrine, c'est d'abord bien la connaître et puis la cacher ou la nier hypocritement. En effet, le verbe kafara signifie cacher ou occulter une information ou un commandement ou une vérité divine. Alors, comment pouvons-nous faire taire les non-musulmans de kafir, c'est-à-dire des mécréants, en sachant avec certitude qu'ils ne connaissent de l'islam que ce qu'ils voient et lisent sur les obscurantistes qui sont présumés être musulmans, ou quand ils voient leurs attaques terroristes, leur barbarie, leur maltraitance des femmes et leur haine des différents, ainsi que le fait qu'ils considèrent le paradis comme leur seule exclusivité. Comment pensez-vous que les non-musulmans voient favorablement notre foi et elle leur est transmise par ces images de violence et d'intolérance ainsi que par l'obscurantisme total? Cependant, la question la plus débattue entre nous et ces obscurantistes est de savoir si nous pouvons ou non participer aux festivités de fin d'année, de Noël au Nouvel An. On peut être catégorique ici. Noël est une fête de famille, une fête conviviale, une fête qui unit. Il n'est donc pas interdit aux musulmans de participer à l'invitation de leur famille ou amis. Parce que Noël, c'est avant tout rendre les gens heureux. L'occasion d'être ensemble et de partager un dîner ou un déjeuner en famille. Et qui l'interdirait? L'important, soulignons-le, est de partager les valeurs humaines, sans sortir de la spécificité de sa foi. Bref, nous partageons un moment familier et convivial si nous y sommes invités, tout en préservant notre foi et notre identité musulmane. Et s'il y a quelque chose qui est contre notre foi, nous devons simplement nous en éloigner. Mais pourquoi nos obscurantistes ont-ils si peur de fêter Noël ou le jour de l'an? Les musulmans wahhabites craignent d'assister à une fête religieuse, mais le Nouvel An est plus festif que rituel. Nous rappelons que ceux qui pratiquent le rituel vont à la messe de minuit, s'asseoir autour d'une table pour partager un bon repas et plus une fête qu'une prière. Nous pouvons donc participer au repas de fin d'année pour la simple raison que la famille et le bien sont encouragés, tant que nous ne sommes pas dans le domaine de la pratique du culte. Le prophète lui-même a participé à des fêtes non islamiques.
et leur a permis de se dérouler à l'intérieur de la mosquée. Il a participé, accompagné de sa femme Aïcha radiallahu anha, à un festival habesha, érythréen, autorisé par lui-même, dans sa mosquée à Médine. Ah, combien grande a été la tolérance de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers les non-musulmans, et que ces obscurantistes sont en train de souiller. Pourquoi devons-nous nous comporter différemment de lui sallallahu alayhi wa sallam? De quelle grandeur est cette religion qui est la nôtre, pleine de justice, d'équité entre les peuples, de fraternité humaine, mais que l'obscurantisme wahhabite a rendu barbare, injuste, haineuse et criminelle aux yeux des non-musulmans. Nous, mes frères et mes sœurs en islam, nous avons aujourd'hui une énorme responsabilité de remettre à jour la tradition islamique en la remettant en harmonie avec le contenu du Coran et ses enseignements et en l'éloignant des traditions et des hadiths sur le prophète dont il est totalement innocent. Plusieurs hadiths sont une insulte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Engageons-nous avec force et grande responsabilité à cet effet. Sinon, nous serons de ceux que le prophète accusera le jour de la résurrection d'avoir abandonné ce Coran. Coran chapitre 25, versets de 27 à 30. Nous lisons. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: il a hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dira: Seigneur, mon peuple a vraiment délaissé ce Coran dans l'abandon. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Alors, à cette occasion et avec un sentiment fraternel et convivial, je souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à nos frères et sœurs chrétiens et non chrétiens. Je prie alors Allah de renforcer la fraternité entre nous et de renforcer entre nous une solidarité et une union citoyenne, non que un respect mutuel, sincère et humain. Amin ya Rabbal Alamin.